Il m'a tabassé. Personne n'a le droit de frapper mes fils. Personne sauf moi. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Claude Brissot. Bonjour mademoiselle. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi surtout de nous accueillir chez vous dans ce lieu où ont été tournés vos deux derniers films. Euh, La fille nulle part et celui que vous venez de me montrer, euh, De jeunes femmes disparaissent. Les jeunes femmes disparaissent. Jeunes femmes disparaissent. Alors, qui, dû, je... qui ne dure qu'une demi-heure et qui est en relief. Voilà, et en 3D. Euh, donc euh, je vais vous présenter. Le Club Brissot, vous êtes, après avoir été longtemps. 20 ans, une vingtaine d'années, professeur de français. Euh, vous avez réalisé votre premier film en 75, La croisée des chemins, suivi d'une dizaine d'autres films, euh, Un jeu brutal en 83, De bruit de fureur, Noce Blanche, votre film qui doit être certainement le plus connu, Céline, L'ange noir, Les savates du bon Dieu, Chose secrète, Les anges exterminateurs en 2006, À l'aventure en 2009, et vo votre dernier long métrage en 2013, La fille nulle part dans lequel vous figurez. Vous êtes également acteur, producteur, scénariste, directeur de la ah, photographie. Acteur, n'exagérons rien. <laughs> vous jouez dans quelques films, on vous voit parfois. Non, j'ai été obligé de jouer dans mon premier film, La croisée des chemins, ouais. qui était un film fait en Super 8, tout simplement parce que euh, la personne qui devait jouer euh, m'a fait faux bond au dernier moment, et d'ailleurs j'ai eu des problèmes euh, au moment où il fallait que j'ai quelqu'un pour tenir la caméra à ma place. Donc vous n'êtes pas acteur, on va dire c'est comme ça. <laughs> Alors je, euh, un lieu commun veut qu'un cinéaste fasse toujours le même film, et je pense que dans votre cas, euh, ce, ce cliché est vrai, vous le dites vous-même. Il suffit de revoir tous vos films sur un court laps de temps, ce que j'ai fait pour préparer cette émission, pour s'en assurer. Euh, et donc je vais vous donner mon point de vue sur votre œuvre. J'ai l'impression que vous cherchez à filmer pour comprendre quelque chose, et vous le dites vous-même, vous cherchez à filmer l'invisible. Quelque chose qui n'est pas réductible à la matière que vous filmez, c'est-à-dire soit, soit l'amour, soit la transmission d'un savoir d'un être à un autre, soit la jouissance féminine. Euh, et dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas visible euh, matériellement sur l'écran. Mais peut-être que c'est... Je vais trop vite en disant ça, et j'aimerais qu'on commence à évoquer euh, une chose qui est antérieure à votre, euh, ou, du, ou du moins parallèle à votre activité de réalisateur, et qui est votre cinéphilie. Vous racontez souvent que vous avez appris la mise en scène en décortiquant Psycho d'Alfred Hitchcock, et j'ai l'impression que dans cette anecdote, euh, il y a deux choses qui va se retrouver dans votre cinéma à la fois la naissance euh, du mystère, c'est-à-dire le mystère qui est un grand film, et euh, la naissance de l'envie de comprendre, c'est-à-dire comment ça marche un grand film. Alors est-ce que tout part, est-ce que tout part de votre cinéphilie oh, Ça c'est certain. Hein. Euh, il est, je me rappelle quand j'étais enfant, je passais mon temps, euh, enfin pas mon temps. Alors qu'il n'y avait pas un rond à la maison, j'allais au cinéma trois ou quatre fois par semaine, et quand j'étais plus âgé, j'y allais davantage. Mais c'est vrai qu'à la cinémathèque, la cinémathèque coûtait un franc, un centime à l'époque. Et j'allais, quand je le pouvais, six ou sept fois par jour au cinéma. Et je me rappelle quand j'avais 8, 9, 10 ans, quand j'étais à la communale, tout le monde croyait que j'étais un peu fou. Surtout que j'avais en plus la télévision chez moi. C'est mon père euh, alors mon père qui l'avait construite. Il avait construit euh, une télé en 1947. Et ensuite, il s'est barré. Mais enfin bref. Et j'aimais énormément les, les aller au cinéma, ça c'est certain. Et quand euh, je crois que je devais être euh, en seconde, euh, je suis tombé sur un numéro des cahiers du cinéma. C'était le numéro 103, c'était La Période jaune. J'ai pas compris grand chose, mais ça m'a de... ensuite fait persévérer et je les ai lus. Et c'est là où je me suis rendu compte que les films où jouaient John Wayne, Gary Cooper ou Jean Gabin, ils étaient réalisés par Hitchcock, par Hawks ou par Renoir. Et bref, je me suis intéressé à la mise en scène à partir de ce moment-là. Mais ce n'est que plus tard. Euh, beaucoup plus tard que euh, je me suis véritablement... Pro... C'est quand j'ai commencé à faire mes tout petits films Super 8, euh, que j'ai euh, regardé les films des autres, et de Hitchcock en particulier, et où j'ai euh, essayé de comprendre comment ils étaient fabriqués. Et d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Sur euh, Psychose euh, en particulier. Il psychose d'ailleurs. Euh, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi Hitchcock pensait que euh, son film serait un échec. Et d'ailleurs, il a failli euh, le réduire à une heure et le vendre pour euh, son émission Alfred Hitchcock présente. Et euh, c'est Bernard Herrmann, le musicien, qui lui a dit ne faites pas ça et qui a ajouté de la musique. Mais ça veut dire que Hitchcock avait la trouille. Et qu'il s'est retrouvé, d'ailleurs, il a coupé un certain nombre de trucs, parce qu'il s'est retrouvé euh, comme un débutant, et pourtant, son film est très brillamment fait. Mais je... Et tout est construit en fonction, si vous voulez, de, euh, de l'élément suivant. Euh, le principe de Hitchcock, c'est, comme il le dit lui-même, en fait, c'est plus compliqué que ça. Hein. Je ne parle, pour l'instant, que de ce qu'il avoue. Mmh. Le reste... Il ne le dit pas trop. Et, euh, mais bref, il partait beaucoup sur le principe suivant, un personnage qu'on doit bien aimer, euh, auquel on s'intéresse, est en danger. Et, euh, comment dire, le, le film, euh, l'émotion est d'autant plus forte que le spectateur sait qu'il est en danger, mais que lui ne le sait pas. Alors ça, ça a été présenté comme une grande nouveauté. Faut pas pousser. Euh, quel est le spectacle? Quel est le spectacle pour enfants dans lequel ce principe est employé? Je vois pas. Pourtant... Ah, c'est le Guignol ben, Bien sûr Dans Guignol, vous avez Guignol qui est devant le public, tourné vers le public, vous avez le gendarme qui est derrière, et les mondes, qu'est-ce qu'ils font Ils disent retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. Et c'est un petit peu le même principe. Donc, il c'est Guignol, quoi. Enfin, le Alors, psycho. les deux premiers éléments, hein. euh, parce qu'il y en a deux autres, euh, et ce sont les deux euh, les éléments les plus difficiles à manier. Mais il avait pour psychose, une grosse difficulté. Il a fait ce qu'on appelle un houdonit. A... Le houdonit, c'est le mot anglais qui veut dire qui a fait le coup. C'était les romans dans le genre de ceux d'Agatha Christie où on doit se demander qui est le coupable. Mmh. Et ah où, oui, en général, le coupable. Euh, le coupable est celui auquel vous ne pensez pas. Et là, il avait une réelle difficulté. Parce que... Euh, il voulait foutre la trouille aux gens. Le, le but quand il a fait ça, c'était de faire mieux que les films de La Hammer qui, avait, euh, qui produisaient des films d'épouvante. C'était dans les années euh, 50. Lui, il a tourné son film en 59, il est sorti en 60. Et euh, il voulait foutre la trouille au public. Euh, pensant à juste titre qu'il avait plus de talent que, que les gens qui faisaient ça. Mais ça l'intéressait. Or, il se trouve devant un problème. Il faut que les gens aient la trouille à la fin. Mais, il fait, comme on dit, un nuit. Et euh, si jamais, il faut qu'à la fin, quand Vera est en train de se balader dans le motel, il faut qu'on se dise, mais la vieille, elle va surgir de n'importe où, elle peut surgir de n'importe où. Et, euh, comme on dit, normalement, on a la trouille à cause de ça. Est-ce qu'elle ne va pas être derrière une porte Est-ce qu'elle ne va pas être en haut de l'escalier euh, Bref. Mais si on a découvert qu'Anthony Perkins et la vieille ne font qu'une personne, que la vieille n'existe pas, ça tombe, puisque mmh. une bonne partie de l'angoisse tombe, puisque nous savons où est Anthony Perkins et nous savons où est Vera Miles. Et euh, du même coup, euh, tant qu'on sait que Anthony Perkins est à cet endroit-là, euh, il ne peut pas être euh, en train de tenter, tenter d'assassiner l'autre. Et pour ça, tout son film consiste, enfin, une bonne partie de la mise en scène de son film, consiste à empêcher le spectateur de, de deviner. Mmh. Et pourtant, c'est là où se trouve la grosse difficulté. Quand vous avez un film, quand vous avez un coup euh, d'œil, comme ça, moi, je me rappelle quand j'étais... Euh, Qu'est-ce que vous faites Vous passez les coupables possibles en revue. Là, il n'y en a que deux. Anthony Perkins et sa mère. Et sa mère, on apprend qu'elle a été euh, enterrée euh, il y a une dizaine d'années avant. Autrement dit, si on, si on fait bien attention, normalement, on sait que c'est Anthony Perkins. Et... Euh, Justement, il faut empêcher le spectateur de penser à ça. Et je répète, toute la mise en scène. Moi, je pensais au mouvement de caméra, par exemple. Il y a le fameux mouvement de caméra, si vous voulez, où euh, le perkin va chercher sa mère et euh, la redescend à la cave. Et la caméra monte et va se retrouver au plafond. Ils ont inventé une caméra spéciale. Il n'y avait pas de luma, il n'y avait pas de tous ces... D'ailleurs, la luma, ça n'existe plus vraiment maintenant. Ils ont inventé une caméra spéciale. Et tout le monde, je me rappelle, vous êtes trop jeune, vous n'étiez pas né, mais tout, tout le monde se demandait pourquoi il avait fait ça. On est allé chercher des, 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 des raisons métaphysiques. Tout au moins ce qui met le film, parce que le, la critique dans le monde entier a descendu le film en flamme, sauf les cahiers. Et euh, en fait, ça, ça obéissait à des raisons comme celle-là. Mais je me suis rendu compte, avant j'ai pensé que c'était uniquement les mouvements de caméra et le montage, la mise en scène. Et en voyant... Euh, comment dire, un autre film qui est le remake de Gus Vincent. Ah oui. euh, là, j'ai réalisé autre chose parce que c'est une mine pour ceux qui s'intéressent vraiment au cinéma et à la construction. saying you shouldn't be contented here i'm just doubting that you are i think if you saw a chance to get out from munder you'd unload this place this place this place happens to be my only world i grew up in that house up there i had a very happy childhood my mother and i were more than happy Saying something frightening. I don't know what you've been saying. I've been talking about your mother. About your motel. How are you gonna do it? Do what? Buy a new one? In a new town where you won't have to hide your mother? Why don't you just get in your car and drive away from here, okay? Where will you get the money to do that, Bates? But you already have it. Socked away. Shut up! A lot of it. $40,000. I bet your mother knows where the money is and what you did to get it. I think she'll tell us. Where's that girl you came here with? Where is she? Pour revenir un peu à votre cinéma, Alors, euh, ben, puisque c'est ce qui nous intéresse, mais on va ben, retourner à Hitchcock. Que... Euh, vous, vous apprenez euh, la mise en scène, même si à un moment vous vous dites que vous allez peut-être entrer à l'IDEC, mais faute d'argent, ah oui, vous, voilà, vous n'entrez pas. Exact. Vous jamais... apprenez euh, la mise en scène en visionnant beaucoup de films, comme la génération qui vous a précédé, qui est celle de la Nouvelle Vague. Oui, mais moi, j'ai tout êtes... seul. Voilà, vous étiez tout seul, vous étiez, vous... c'est peut-être ce qui vous détermine en tant que cinéaste, euh, c'est que vous n'avez pas fonctionné en bande, vous ne fonctionnez toujours pas en bande, et c'est peut-être aussi ce qui fait que votre cinéma est un peu inclassable, et peut-être aussi, d'une part, un peu marginalisé. C'est que vous êtes assez, vous avez tout fait pour vous rendre presque inidentifiable. Mais dans, dans tous les cas, euh, peut-être que j'aimerais revenir justement à, à ces années où vous avez... Euh, euh, puisque vous ne, vous ne passez pas à l'IDEC faute d'argent, euh, vous devenez prof de français. Hein, L'IDEC, euh, en fait, je suis entré à l'école normale, j'ai été ainsi depuis prof. Euh, L'IDEC, hein, c'est l'ancienne euh, Fémis. C'est ça. Et, euh, et, et donc vous décidez là, vous renoncez, vous dites je vais devenir prof de français. Et c'est quelque chose, quand on vous écoute en interview, on a l'impression que vous... Vous mettez très peu en avant vos origines sociales, vous les mettez plus, vous, vous en parlez dans vos films, mais c'est quelque chose qui a l'air d'être extérieur. Euh, vous parlez, vous parlez des, des classes pauvres, euh, sans insister sur le fait que vous vous en provenez vous-même. Exactement. Oui. J'ai vécu dans les, dans, je, je suis né dans les vieux cités HLM de briques rouges. On la voit d'ailleurs dans un petit documentaire de 10 minutes que j'ai fait, mais on la voit aussi dans un film. Qui s'appelle La vie comme ça, on voit le personnage, l'héroïne qui sort. Si ce n'est qu'elle, elle, elle sort du bâtiment qui est au fond de la cour, alors que moi, je n'étais pas dans celui-là. Et, euh, et d'ailleurs, aussi dans votre premier donc... Encore une fois, ma mère était femme de ménage. Mais ça. un jour, quand je l'ai trop dit, il euh, y a un mec, producteur, qui m'a dit Tu ne devrais jamais dire que tu es un fils de pauvre. Pourquoi ah, bah, Je lui ai posé, il n'a pas répondu. Et euh, comment dire Parce que c'est finalement très mal vu dans la profession où c'est tous des gros bourgeois. Oui, c'est ça. Et justement, est-ce que vous avez eu le sentiment euh, à un moment que ça, ça allait être difficile d'être cinéaste parce que vous ne proveniez pas d'un milieu bourgeois Attends, excusez-moi. Alors là, je, je clarifie tout de suite. Bien hein. sûr, mais je vous. J'ai jamais pensé que je ferais du cinéma. J'y suis ça. rentré par hasard. Je suis rentré parce que quand euh, les caméras Super de sonores sont sorties, j'ai réalisé deux films. Un qui durait une heure et demie et l'autre qui durait 20 minutes. C'était la première version du film là que j'ai fait en relief. Le, le petit film, c'était un film qui d'ailleurs avait foutu la trouille à Piala et à Romer. Mmh. Et euh, je pensais que tous les cinéastes savaient faire du, du, comment dire, du suspense. Je me suis bien bourré. Et euh, jamais j'aurais il a fallu que le, les filles, elles n'avaient pas été payées pour faire le, le film, elles, bon, elles ont voulu que le film passe dans un cinéma d'amateurs. Il se trouve que Romère, surtout Epiala, était dans la salle. Et euh, ensuite, on m'a traîné chez Romère, qui avait beaucoup aimé le film. C'est comme ça que je l'ai rencontré, mais de moi-même, j'y serais jamais allé. En fait, c'est un, euh, un mec que j'avais rencontré à l'école normale qui m'a... Euh, à qui je dois tout ça, c'est lui qui m'a traîné. Hein. Et moi, je n'ai jamais compris. Un jour, Romer, il m'a dit, mais vous avez vu à l'Olympique les gens, vous avez vu la réaction de la salle Bah euh, bah oui, euh, mais je ne pensais pas. Moi, je n'ai jamais pensé réellement que mes films pouvaient intéresser les gens. Alors, y a, voilà, c'est deux choses différentes. Vous ne pensiez pas que vos films allaient intéresser les gens, mais vous vouliez faire du cinéma quand même ah oui, ça, ça, voilà. j'aimais euh, bien sûr que j'en avais, en avais envie, hein. mais ce qui m'intéressait aussi, et ça c'est venu au, peu à peu euh, avec le temps, c'était de faire un certain nombre de recherches, mais euh, disons euh, dramatiques, et, euh, mais si possible, euh, en intéressant le public, le public le plus populaire éventuellement. C'est-à-dire en évitant de souligner le contenu philosophique par quatre crayons. Dans Nos Blanche, qui est un film populaire finalement, il y a un contenu philosophique, mais la plupart des gens n'y en, en, voient rien. Et c'est très bien. Je ne veux pas en enfoncer ce que j'appellerais une prétention philosophique. Et quand je l'ai mmh. fait, j'ai eu tort. Il y a des petites allusions dans le film que j'ai revu il y a 15 jours de la. Le jeu brutal. Si j'avais su, je les aurais coupés. Et justement, j'ai l'impression que les films, euh, certains de vos films, fonctionnent sur un, ou marchent euh, auprès du public par des sortes de malentendus, de bruit et de fureur. On en a, d'après ce que j'ai lu sur la réception, a été vu comme une sorte de documentaire sur les banlieues. Mmh. Et Noce blanche aussi a été, euh, qui est un film qui, enfin, qui, que vous aimez pas trop dans votre filmographie, enfin, peut-être qui vous intéresse un peu moins que les autres. Aussi fonctionne euh, peut-être sur son casting, alors qu'il euh, euh, y a quelque chose de beaucoup plus. Euh, comment dire C'est un film sexy parce qu'il y a Vanessa Paradis, parce qu'il y a une sorte d'amourette entre. Non, mais si, de, ça autre, entre, euh, si ça avait été une autre. On peut le voir comme euh, une amourette, comme, comme une sorte de Lolita français, alors que ce n'est pas du tout ça. Le film, non. Il avait, ceci dit, euh, sachez, là, encore une fois, la chose suivante. Je vais commencer par euh, nos Blanche. Je pensais que le oui. film serait un désastre. Euh, voilà pourquoi. Et le public à cette époque-là, quand ce film est sorti, était composé des jeunes, bien sûr, et encore des gens de 30, 35 et encore des gens âgés. Or, le public jeune, les, parmi le public jeune, les garçons détestent les histoires où une fille tombe amoureuse d'un mec plus âgé. Or, ils y vont en groupe et c'est les mecs qui choisissent avec les couples de 30-40 ans. Ce sont les femmes, cette fois-ci, qui choisissent le film, et les femmes ne peuvent pas supporter une histoire où un bonhomme tombe amoureux d'une fille beaucoup plus jeune que lui. Et on tombe sous le coup d'une double... Euh, D'un double Vétissant, rejet. C'est ce qui avait été euh, même pour des films avec des grosses vedettes comme Gary Cooper et euh, Audrey Hepburn comme euh, Ariane, mm. euh, même euh, pour le film de Chaplin et même contrairement à ce qu'on a dit, Lolita, les films n'ont pas tellement marché. Mm. Hein. Et euh, alors en fait le, avec en plus le fait que je prenne Vanessa Paradis comme j'aurais pris une inconnue, mais euh, je, ça n'arrangeait rien parce que elle était détestée à l'époque. Ah oui, elle c'était pas la, la, la petite star ah, elle la, la petite, elle la petite starlette. Elle que... avait. Excusez-moi, j'ai vu les vidéos qu'elle m'a qu montrées à l'époque. Elle passait au Millem avec Joe le taxi, elle <laughs> se faisait siffler et elle recevait des tomates sur la gueule. Ah oui. Pourquoi est-ce que vous avez quitté Paris Alors Ma mère. J'en avais marre d'aller la voir sur son lit d'hôpital tous les deux mois. À chaque fois que c'était fini avec son nouvel amant. Qu'est-ce qu'elle avait Tentative de suicide. À la fin, mon père s'est inquiété. Entre me laisser seule à Saint-Etienne ou seule dans son voisinage à elle, il a choisi. Il n'y avait pas une ville plus proche On que vous ne la connaissez pas. Votre père est médecin Psychiatre. Je suis une enfant de la révolution manquée. En 68, le prolétariat a décidé mes parents. Vous savez ce qu'ils ont trouvé à la place La philosophie hindoue. Le monde, l'existence, tout n'est qu'illusion. Vous devez connaître ça, vous, le prof de philo. L'illusion, la maya. Du coup, lui, il s'est plus occupé de rien. Entendez ce qui l'embêtait. Nous, par exemple. Elle, c'était le détachement. Un détachement des choses tellement grand qu'elle essaie d'aller trouver son Dieu tous les deux mois. Blague à part, lui, il est gentil. Mais elle, c'est une dingue et une salope. Il y a contradiction entre les deux termes. Pas chez elle. Donc on va s'intéresser à « De bruit de fureur » qui est votre premier, euh, je crois, long-métrage Non, c'était cette... le second, second euh, long-métrage, euh, ah oui, euh, 35. Oui, pardon, il y, a, il y a un jeu brutal juste avant. Euh, ce qui me frappe justement entre « Nos blanche » et « De bruit de fureur », c'est que vos films sont marqués euh, par un pessimisme social très fort. Euh, dans « De bruit de fureur », ce qui est dit quand même, c'est que c'est une, une sorte de western… Euh, de banlieusard, c'est que naître dans, dans une banlieue c'est aussi y mourir, sinon on y est perçu comme un traître. Et dans Nos Blanche aussi, euh, l'utopie d'un couple qui serait fait d'un monsieur âgé et d'une jeune fille qui ont 30 ans de différence, euh, échoue et finit, dans, et, et finit mal en fait. Donc on a quand même l'impression que, que le, tous, dans vos films, toutes les utopies, qu'elles soient sexuelles amoureuses ou, ou euh, même pédagogiques, pour le dire comme ça euh, échoue parce que l'ordre social la société ne peut pas le supporter il oh, y a un côté comme ça vous savez je pense même si n'était pas exactement le sujet de mon film de mes films oui, mais ça. je pense profondément que euh, une des raisons pour lesquelles euh, le sexe la passion sont, euh, sont ont été si interdits et le sont toujours en grande partie dans le monde c'est pour une alors que ça fait partie excusez-moi si des gens n'avaient pas baisé ensemble ni vous, ni monsieur, ni moi, ni personne ne serions là. <laughs> oui, bien sûr. Oh, c'est plus. Oui, y a... bien sûr, je non, vois. C'est naturel, mais c'est. Il y a quand même une force, puisque même dans les camps de concentration, même dans les cas d'épidémie grave, etc., les gens continuaient à faire l'amour. Il faut quand même que le désir sexuel soit fort. Et pourquoi est-ce qu'il est. Pourquoi est-ce qu est... Est que ça déclenche une telle hostilité, voire. Euh... Enfin. Surtout, enfin maintenant c'est la, la société est plus schizophrène sur ce sujet-là. Mais euh, je pense que le fond, c'est que euh, la passion et le sexe euh, non normalisés euh, sont contraires euh, à la vie, euh, euh, à la vie sociale. Si jamais euh, vous êtes follement amoureux de quelqu'un et si vous aimez tellement le plaisir ou la personne ou autre chose que vous baisez tout le temps, vous n'avez pas envie d'aller bosser. Mmh. Euh, même là, euh, le, le, le sexe euh, est bien cadré. Euh, euh, en général. enfin, j'exagère un peu, je simplifie. Euh, voilà, c'est autorisé au moment où on va euh, se marier. Ensuite, on, on se marie ou on vit ensemble. On a, on a pendant un moment, euh, ça marche bien, et ensuite, on s'intègre à la vie sociale et on va bosser. Mmh. Mais euh, c'est incompatible, je répète, avec les problèmes passionnels. Mais c'est moins, c'était pas. Ça, si vous voulez, je pense qu'il y a une. Euh, comment dire. Euh, C'est pas seulement une rigueur, une rigueur sociale, si vous voulez. Il euh, y a quelque chose d'autre. C'est vrai que les grosses différences d'âge posent problème euh, ne durent en général, sauf exception, qu'un temps. Euh, une fille, euh, supposons qu'une fille vive, vive avec un mec qui a ne serait-ce que 20 ou 30 ans de plus qu'elle. Je ne parle pas de 10, mais même là, parfois, ça peut poser des problèmes. Quand elle va avoir 40 ans et qu'elle est en pleine. Elle oui, a envie d'aller danser, elle a envie de faire ceci. Le mec, lui, il est plus âgé. Euh, Sans. Euh... Oui, bien sûr. Et ce que vous filmez dans votre film, ce n'est pas que ça, c'est aussi. Ce n'est pas ça, non. Euh, euh, on mais sent le... qu'il y a. C'est quelque chose qui va se retrouver dans, dans quasiment tous vos films, c'est que. Euh, une jeune fille ou même un, un jeune garçon se retrouve abandonné. Parfois, même, euh, c'est très présent dans le film. Parfois, même, il, il est, le personnage est illettré, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire et il se retrouve qu'un un, un être va en sauver un autre et va en éduquer un autre c'est ce qui est très touchant dans vos films et dans Nos Blanches ça vient, ça vient, euh, vient se surajouter à ça euh, une passion amoureuse et sexuelle mais en fait ce qui ne marche pas c'est cette utopie qui n'est pas forcément celle du, 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 du couple à part dans Nos Blanches mais qui est aussi celle d'un être qui va en sauver un autre et que la, et la société veut les, veut les, euh, ne supporte pas ça, veut les anéantir ou ne, ou ne les ne supporte pas cette union ou ce, ce, ce contre-pouvoir ou, euh, ou ce désordre à l'intérieur de, de l'ordre social. C'est ça qu'on qu voit dans vos films parce que il n'y a pas que le sexe dans vos films, il y a aussi en la fait, pédagogie. Il y a quelque chose, chose d'autre, euh, si vous voulez, mais que je trouve plus euh, euh, qui dépasse ça. Oui. Euh, le sujet est fondamental. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière sur De Bruyne -Führer, hum. avant de Führer, de, avant de repartir sur cette question importante parce que elle, euh, elle débouche sur le sujet de tous mes films. Mais avant sur De de Führer, les gens, en effet, l'ont perçu comme une sorte de documentaire que j'ai absolument refusé de faire. Alors, tout ce qu'il y a dans, au niveau de la délinquance atténué vient directement de la vie de mes élèves et de leurs parents. Mmh. Il y a toute une série de choses qui sont authentiques. Le mec qui tire sur les murs, euh, l'histoire, si ce n'est qu'il ne tirait pas sur des cibles d'indiens. Et c'est moi qui ai tout réécrit. Mais tout ça était, avait une base fondamentalement authentique. Mais j'ai tout réécrit. Et, et voilà pourquoi. Pour en fait deux raisons. La première, euh, c'est que... Quand je réfléchissais sur les films sociaux, les films sociaux, y compris quand il... américains des années 50, il y a eu une grande vague. C'était les films, so euh, comment dire, policiers sociaux. Et vous pensez à qui, par exemple, Nicolas Sred je, 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 je vais penser, là, je vais vous donner un nom qui est quasiment le, le meilleur des metteurs en scène. Qui est euh, Mankiewicz, quand il a fait La Porte S'ouvre, eh ben, le film il n'est pas regardable 50 ans après. Mmh. Euh, là, je pense à Jules Dassin, je pense à tous les gens qui ont. Le seul qui tient, mais il ne faisait pas vraiment des films sociaux. <laughs> il s'occupait uniquement de la narration, de l'efficacité de la narration, c'est Hathaway. Les films noirs de Hathaway sont toujours très efficaces. Violent et efficace. De Beau de Fueur est un film qui est pleinement On sent toute l'influence du. On ne sent pas l'influence d'un cinéma français, on sent toute l'influence de, de votre ciné américaine dans De Beau et de Fueur. Alors, si alors, je ne voulais pas en arriver là, mais là, par exemple, non, mais ce n'est pas grave, il y a en plus dans le film une manière de faire, de traiter le, les sujets qui n'est absolument pas française. Euh, dans le côté mélange des genres, où on mélange le drame, euh, l'humour, Parfois très noir. Mmh. Mais l'humour, moi, il y a des séquences où je me marre, euh, franchement, et oui, quand oui, les gens se marrent, je trouve qu'ils ont raison. La poésie, le fantastique et le drame. Mmh. Ça, c'est plus des mélanges, euh, comment dire, euh, euh, anglais, euh, euh, mais pas français. Mmh. La culture française, euh, c'est pas ça. D'abord et surtout qu'en plus, je déclenche, j'essaie de déclencher des émotions dans la culture française. Si vous voulez le discours, le dialogue, le, ce qui est dit, c'est pour le happy few. On reste à distance. Il n'est pas question de mmh. déclencher l'émotion. Et euh, si on parle de la mort, de la euh, comment dire, de l'amour, de la souffrance, on le fait de loin et par allusion. Je pousse un peu, mais mmh. c'est euh, comment dire. Euh, je répète, c'est la culture mmh. du happy few. Mmh. Et moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Mais ça sent, on sent que vos, votre cinéma, il y a quelque chose de très désarmant, parce qu'on a l'impression qu'en fait, vous êtes toujours, pour le dire de façon très euh, très très simple, on a l'impression qu'il euh, y a une sorte de croyance enfantine et que vous êtes toujours euh, l'enfant cinéphile en train de faire des films. Mais que la croyance est très importante dans vos films, c'est-à-dire ce premier degré. Qui fait que euh, des, des gens peuvent ne pas accrocher à vos films, peut-être. Oh bah ça, c'est pas vous voilà. savez, Mais ça, parce que, possible, parce qu'il y a quelque chose de, de, de désarmant dans la façon dont vous, vous croyez en vos propres films, et c'est pour ça que vous filmez par ailleurs des scènes de surnaturel, paranormal. C'est parce que vous croyez profondément euh, en ce que vous faites et au cinéma, et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on peut trouver que c'est euh, ou beau ou naïf. M'attends pas cette nuit, je ne rentrerai peut-être pas. Je travaille pour nous changer de quartier. Au revoir mon poussin. Je t'embrasse très fort. Au revoir maman. Qui va le long la scène. Et me revoici. Au fond du bois de Vincennes. Roulant joyeux. Vers ma maison de banlieue. Où ma mère m'attend. Les larmes aux yeux. Le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil, mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci, mon Dieu, merci d'être ici. N'est pas un rêve. C'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les fleurs des bois. Thank you. Ah, ça, je me rappelle lorsque les gens trouvent ça naïf, je, je me suis toujours posé la question pourquoi. Mais vous comprenez euh, quand la... je vous dis que le premier, de... que ce qui vous caractérise, c'est une sorte de premier degré. Oui, non, mais ouais. ça, je, je, je ne le, non seulement je ne le regrette pas, mais je le revendique. Oui, euh, si vous voulez, moi, il euh, n'y a rien de plus qui m'exaspère, euh, sauf quand c'est fait par des gens de grands talent, que le cinéma snob mmh. pour bourgeois ou pour à l'heure actuelle euh, bobo intello. Je pour... déteste ça. Est-ce que, parce que c'est peut-être un peu facile de dire cinéma Bobo Intello sans citer quelques films. Non, mais quelques... ça, je pas envie. D'accord, très bien. Même de l'époque, je ne sais pas, de la nouvelle vague. Est-ce que vous pensiez qu'ils étaient ah, comme ça Ah ça, non. À l'époque, c'était pas. Comme ça non, je pense, Non, ils n'étaient pas comme ça. Il y avait un amour du cinéma ouais. chez tous, incontestable. Et d'ailleurs, ils cherchaient le public, hein, avec des, comment dire, des moyens euh, différents. Je me rappelle avoir une conversation euh, la seule fois où j'ai rencontré euh, François Truffaut, c'était avec Romère, on a, on a discuté pendant deux heures, trois heures et euh, il venait de voir le film là, qui est derrière vous, euh, Sorcerer, là le remake, de... le remake de... du salaire de la peur et on en a parlé de Fritkin et avec Bruno Kremer. et on en parlait euh, exactement de la même manière c'est à dire en, en termes de temps fort d'erreur de, euh, sur la situation du temps fort et à un moment il était en train de discuter cette fois-ci avec Kremer, qui lui demandait pourquoi il y avait un million d'entrées d'écart entre euh, comment. Euh, ah, son film avec Depardieu et Deneuve qui a eu tant de succès. Ça m'énerve quand euh, j'essaie Le essayé. dernier métro, oui. Le, le dernier le métro, métro et La femme de l'aviateur. Alors euh, Truffaut lui a répondu écoutez, moi j'étais sur un, un gros échec, sur une, deux ou trois gros échecs, mmh. il me fallait un succès. Alors je me suis dit le dernier gros succès, c'est un film sur le cinéma. Euh, Contre parenthèses ni Romère, ni Godard n'aimaient. Moi, oui, j'aimais beaucoup ah, La Nuit américaine. américaine. Et il me dit "Bon, bah, je vais faire un film sur le théâtre. Mais le théâtre, c'est pas suffisant." Euh, il faut, euh, je vais ajouter, euh, l'occupation. Mmh. Et il était bien emmerdé euh, à, pour sa fin, parce qu'il euh, ne pouvait pas, euh, on voit une fille partagée entre deux hommes, mais il pouvait pas laisser Catherine Deneuve se tirer euh, avec, euh, euh, de par Dieu, du fait du bonhomme, euh, du juif au fond de sa cave. Euh, en même temps, on n'a pas envie non plus euh, qu'elle reste euh, avec lui. Alors résultat, et, et, elle reste avec les deux, ce qui satisfait tout le monde. Et euh, ils en parlaient comme ça, plus, mmh. c'est ça qui m'avait frappé, plus qu'en euh, tant qu'hommage à Lubitsch dans à euh, 3, euh, parce qu'il y, y a un truc identique. Et euh, non, non, il y avait chez eux, même quand vous voyez les, 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 les premiers films de, de Godard, les Godard la, la première période… Il euh, y a une, un, visiblement une tentative, même en faisant au niveau de la mise en scène autre chose que ce qu'on faisait habituellement, il y a une, une tentative de contact avec le public. Mmh. Euh, quand vous voyez le mépris, c'est à peu près évident, ne serait-ce que par euh, l'utilisation de la, de la musique. Euh, heureusement d'ailleurs que Delrue, c'est pas contre Godard que je dis ça, hein, mais sans la musique de Delrue, le film tombe. Hein. Ah, vous pensez? Ah ben bah oui, si oui, si vous regardez oui, le non, film sens, sans, euh, quoi, sans la musique, oui, oui. sans le décalage musical oui, oui. et l'espèce de mélancolie triste oui. que qu avec mélancolie liée aussi à la fascination de Bardot qu'on voit à poil. Enfin d'ailleurs, c'est la plupart du temps c'est pas elle, mais qu'on voit nu euh, sans arrêt. Il y avait, euh, si vous voulez, euh, il y avait une force dans son film qui reste publique. Est-ce que c'est pas, euh, moi j'aime beaucoup le mépris, mais pour vous taquiner un peu, est-ce que le mépris c'est pas un sommet de cinéma bourgeois français quoi, justement C'est possible, mais <laughs> euh, si vous voulez, euh, c'est possible, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, le cinéma n'était pas bourgeois. Ou le cinéma était d'abord, jusqu'aux années, euh, jusqu'à la Nouvelle Vague, était d'abord un cinéma qui se déroulait dans les milieux populaires. Et ça a changé après. Et d'ailleurs, avec euh, comment dire, un élément très fort qui était euh, une sorte de euh, fatalisme social, pas de cul. Mm -hmm. euh, et comment dire, les gens de la nouvelle vague ont apporté un, une grosse détente. Vous, 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 vous n'étiez pas né, vous ne pouvez pas vous rappeler. Quand on a projeté, euh, moi je me rappelle avoir vu euh, un, un, un dimanche après-midi euh, euh, à bout de souffle dans une salle populaire, pleine, et à l'époque les salles étaient beaucoup plus grandes que maintenant, hein. le métropole à côté de chez moi faisait 1800 places. C'est une <laughs> salle populaire. Bref, non. là, ce n'était pas le métropole. Toujours est-il qu'au moment où vous voyez euh, Belmondos en train de baiser avec euh, Gincy sous un drap, avec la musique d'Europe numéro 1 que tout le monde connaissait. Tout le monde a éclaté de rire, mais ça faisait... On parlait du cul et puis voilà, les gens aimaient ça. <laughs> et ça a apporté une sorte de détente et de libération qui était euh, également... Celle euh, qui a été celle des années 60, je me rappelle euh, ce que me disait à ce sujet Sylvie Vartan, elle m'a dit que euh, les années 60, c'était une certaine forme de joie dans la libération. Mmh. Justement, vous me faites la transition parfaite par rapport à... Mais pour en revenir à ce que vous êtes en train de dire, sûr, oui. il est vrai que le, le, comment dire, la plupart des films de la nouvelle vague, c'était des films bourgeois, mais ils n'étaient pas... Ils essayaient de trouver une forme nouvelle, euh, chose que ne font pas... Euh, ils étaient mis en scène, il y avait, ils étaient obsédés par l'idée de la mise en scène. Mmh. Euh, ça, ça a disparu. La mise en scène à l'heure actuelle, euh, dans ah le oui, cinéma, mais... ni français ni américain, ça n'existe ah plus. Oui, ah plus. – Ah oui, vraiment Vous ne sauvez personne ?– Regardez, oh, je, je sauve… – il n'y a pas un cinéaste que vous sauverez aujourd'hui ?– aujourd je, Si vous voulez, je, ne re... je vais être franc avec vous, je ne veux plus trop regarder, je les ai, je les ai, hein. vous les voyez, je Quoi tous les films, les coffrets des Césars, je n'arrive pas à les voir. – Et pourquoi ?– La, Parce que je les trouve chiants. Ouais. J'arrive pas à dépasser, je n'arrive pas à dépasser le 10 minutes, un quart d'heure. Et je ne suis pas seul. Je, 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 je je pas. Les deux ou trois personnes, euh, parfois, avec lesquelles je vois, ils sont pareils que moi. Mm. Et moi, je ne les influence pas. Hein. Et euh, comment dire... Euh, mais je suis sûr qu'il y a au moins un cinéaste. Parce que j'ai l'impression que mais vous ne me les les posez films. pas ces questions-là. Non, mais même je les ne Américains. Répondrai en tout cas. Pas. Non, bien sûr, bien sûr. Mais dans... Bah, les même Américains, les Américains. En tout cas, vous voyez beaucoup, vous voyez les films, vous voyez. Ce je qui vois sort. tout. Je vois tout, mais sur mon grand écran là, euh, vous avez vu, oui. un grand, je peux me projeter des films. Euh, euh, là, je pense au Jardin du Diable, la projection Blu-ray était sur grand écran, était mieux que celle de la cinémathèque. Ah ouais, euh, Et donc, il n'y a, a rien qui vous, qui vous fait plaisir En ce quoi, moment, en, pas en trop. Euh, en ce moment, alors peut-être qu'il y a des choses que je ne connais pas, mais euh, si vous voulez, euh, on dirait que passer les années 70, euh, tout a changé. Il est vrai aussi que le, la structure de la distribution a changé beaucoup. C'est-à-dire Bah, ben, quand moi j'étais jeune, mmh. euh, les films sortaient dans trois quatre salles en exclusivité. Puis il y avait une seconde exploitation, et enfin il y avait les cinémas de quartier. Euh, mais les gens non populaires les gens populaires n'allaient pas. Euh, voir les films en première exclusivité, sauf exception, parce que ça coûtait cher. Mm. Euh, et euh, proportionnellement, nettement plus cher que le, le cinéma. Maintenant, le cinéma, toutes les salles populaires, toutes les salles de quartier et toutes les salles moyennes ont disparu. Et, euh, et maintenant, les films ne sortent pas en, en 3-4 salles, ils sortent euh, parfois dans euh, 100 salles 700 salles, 1000 salles. Et pour ça, il faut qu'il y ait une pub qui, qui soit euh, parallèle. En plus, la plupart du temps, cette pub et donc les films visent le public des ados, parce que c'est celui qui est le plus sensible à la pub. Sachez, mademoiselle, qu'il y a un film qui a déclenché une révolution. C'est lequel La Boom. Ah oui. <laughs> vous savez pourquoi Non. Eh ben, je vais vous le dire. Euh, <laughs> tout simplement parce qu'on a découvert en voyant la Boom que les ados avaient du pouvoir d'achat. Et ah oui. cette découverte a eu des conséquences, pas seulement sur le cinéma, hein, sur les les, les, les les fringues, sur les les. Ça, les... Ça, ça ça existait depuis longtemps. Enfin, disons l'avènement de la mademoiselle, jeunesse. Non, non, ça mademoiselle, 50, non. 50, il n'avait pas le pouvoir okay. d'achat. C'est-à-dire qu'il fallait disposer, euh, il fallait demander à son papa et à sa maman mm. pour aller au, au cinéma un petit peu d'argent. Mais ensuite, on leur donnait de l'argent régulièrement. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et pour revenir à ce que vous disiez sur la distribution des films qui a changé, est-ce que euh, on, je, je m'étonne de constater que vous, vous n'êtes pas le seul, mais je, on avait reçu euh, Catherine Breillat il y a quelques mois, et vous êtes deux cinéastes qui, en, en, euh, au fil de, la, de votre carrière, en fait, vous êtes peu à peu marginalisés. Euh, C'est très étonnant, c'est-à-dire que ça il ne, n'y ne, a pas eu de, comment dire, euh, vous n'avez pas été de plus en plus connus, mais, plus, mais vous avez été de, 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 de plus en plus marginal. Vous et Brea, et beaucoup d'autres cinéastes de, de votre génération, il me semble. Comment vous expliquez cela Comment vous expliquez qu'il n'y ait presque plus de place, à la fois euh, que vous, que, à mon avis, vous, vous avez du mal à faire, à faire vos films, vous avez du mal à les distribuer Comment vous expliquez cette difficulté À quoi ça tient Est ce que ça tient à, ça à peut... vous, à vos choix Ou est ce que ça tient au fait qu'il n'y a plus de place pour les films que vous voulez faire Non, moi, je pense que c'est plus complexe que ça. Il y a tout à la fois, mais il y a d'abord aussi le fait qu'on euh, m'a demandé de me soumettre à un certain nombre de règles plus à tout à part tout le monde, hum. et que j'ai refusé. Que quelles étaient ces règles Je n'ai si pas envie d'aborder euh, le, le sujet. Euh, disons seulement que le cinéma, c'était l'équivalent d'Elf Aquitaine qu'on a vite vendu. C'était un scandale total au niveau du blé. C'est toujours le cas, hein, mais ça a changé de structure. Hum. Et tout le monde a eu peur. Que euh, quand j'ai découvert ça, tout le monde a eu peur que euh, je le, que je dénonce tout ça. Benex, Jean-Jacques m'a même dit que j'allais recevoir une balle dans la peau euh, à la suite de ça. On, euh, je n'aurais jamais euh, dénoncé personne, mais je voulais pas rentrer là-dedans. Il y avait tout un, un système que j'ai découvert un monde que j'ignorais que complètement, surtout qu'on m'a placé à l'époque dans tous les postes clés. Mmh. Et euh, parce que tout le monde m'a dit, une productrice m'a dit, Jean-Claude, on vous a placé dans tous les postes clés, euh, parce que vous êtes intelligent, vous saurez où est votre intérêt, comme vous êtes un fils de peau, vous allez faire comme nous, vous allez croquer. Vous non, avez refusé, ça, ouais. presque mot à mot. Elle m'a dit, vous avez refusé, vous avez déclenché la haine, une haine mm. double, euh, parce que vous êtes, euh, comment dire... Euh, euh, vous êtes un électron libre et qu'on ne vous tient pas, alors qu'on tient tous les autres. Et euh, les comment dire la deuxième, c'est euh, nous en fait, nous adorons voir tous les gens qui font des grandes déclarations de morale ramper à nos pieds en privé. On échange de quoi on leur donne l'argent et le pouvoir. Vous, ça n'a pas marché. À chaque fois, désormais, vous ne pourrez plus, plus jamais faire un gros film et même vous aurez des difficultés à en faire parce qu'au dernier moment, vos producteurs vous lâcheront. Mais vous n'avez jamais essayé vraiment, en tout cas, vous quand on regarde vos films, vous cherchez pas à faire de gros films, mais il n'y a même pas... Vous êtes un auteur, vous faites du Mademoiselle, je vous arrête. Je devais en faire deux, dont un devait être qui sur le Moyen-Âge, dans lequel il avait vaguement été question. On m'a dit qu'il était à peu près d'accord pour le faire, mais ça c'était il y a 20 ans avec Bouygues, mais Bouygues a tombé, et UGC a voulu le reprendre, et puis ça n'a pas marché non plus. Et euh, je devais faire un film sur la guerre d'Indochine aussi. Mais ça, cette histoire, mmh, euh, c'est un autre problème. – Je vous formule quelle est la place de, de Alors, cinéaste comme vous ?– de, Attendez, de cinéma, je vais continuer maintenant français. sur l'autre côté. C'est vrai que je me suis amusé à rentrer dans des genres qui n'étaient, et sans avoir les budgets ou les vedettes, dans des genres qui euh, n'étaient pas français. Mmh. Euh, si vous voulez, je me suis toujours intéressé pour un certain nombre de raisons d'ordre quasi philosophique, aux choses un peu dérangeantes. Si vous voulez, euh, la délinquance, euh, mmh. la petite délinquance, et ensuite les petites transgressions dans le domaine sensuel, mmh. euh, qui font euh, à quoi euh, tout le monde... Et je me suis surtout adressé, euh, comment dire, en faisant tout ça, et en écoutant, j'écoutais les femmes de tous âges, bien sûr, plus que les mecs qui ne m'intéressaient pas beaucoup. Or, j'ai fait ces... Et en mélangeant en plus, parfois avec de la poésie et du fantastique. Mmh. Et j'ai été rejeté systématiquement, si ce n'est que je, con... je constate maintenant que ce pourquoi je me suis fait attaquer, parfois violemment, pas toujours, j'ai eu parfois un accueil, euh... mais j'ai eu un accueil surtout formidable à l'étranger. Mes films ont mieux marché à l'étranger qu'en France. Et, euh... et là, c'était pas du... On a dit, oui, c'est du copinage, je connais personne. Et, euh... comment dire je constate que maintenant, on reprend les éléments que, euh, comment dire, sur le sexe et sur le fantastique, euh, que moi j'ai abordé quasiment le premier. Euh, alors... Est-ce que filmer des scènes. Euh, parce que justement, vous. Je pas l'histoire c'était un exemple vas... Vous ne savez pas ce que c'est que l'histoire d'Alpha Quitaine Non, je, mm -hmm. je c'est tout simplement, on s'est aperçu avec Elf Aquitaine, c'était à l'époque de Mitterrand, qu'à euh, chaque fois qu'il y avait un litre d'essence produit par euh, cette société, euh, on en prenait quelques centimes. Et euh, ça a déclenché un gros scandale et on a été obligé, ils ont été obligés de vendre Elf. C'était sous l'égide de Mitterrand et d'autres que euh, Elf permettait à tout le monde de se sucrer. Elfaquitaine, c'était ultra célèbre. Mais effectivement, on n'en parle plus jamais. Je ne veux pas de rapport avec le cinéma. Eh bien, moi, je oui. vous dis qu'il y en a un, mais vous <laughs> cherchez le tout seul. <laughs> non, parce que là, ça... non, je ne vous... oui, suis pas, pas agressif, je vous prie de m'en excuser. Je n'ai pas envie non plus de vous donner tous les exemples. Bien sûr. Et, euh, et je ne pense pas être là pour ça. Si bien vous bien voulez, vrai. je regrette même de vous en parler, parce que moi, au début, c'est un fait que ça m'intéressait de savoir. Moi, j'étais un fils, euh, <coughs> fils de femme de ménage, et euh, j'ai connu, j'ai vécu avec des gens euh, pauvres. J'ai vu hein, les établissements scolaires qui vivaient euh, avec un budget de euh, 50 millions anciens, c'est-à-dire euh, c'est pas grand-chose, euh, 50 millions de centimes, euh, avec des budgets comme ça par an. Et quand je vois que M. Tapie, que je n'aime que modérément, modérément, a été ministre de la ville au moment où il y avait la naissance de la délinquance, euh, il avait un budget dérisoire. Quand je voyais le budget qu'il avait à côté des budgets des films et de ce qui partait dans la poche des producteurs, je me dis on se fout un peu de la gueule du monde. Euh, et voilà, moi, c ça m'était, euh, moi, accepter leur truc, en dehors que du fait que pour des raisons de morale, je refusais. Mais on m'a demandé de me laisser corrompre directement. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, euh, enfin, je vous ai, ai déjà raconté, je voulais pas en parler, mais ça m'a intéressé de savoir. Et depuis, mes oreilles se sont rabattues. Mmh. Mais euh, si vous voulez, moi, de toute façon, c'était aussi lié au fait. Que le cinéma euh, vivait de fonds publics, en grande partie, ou de la télévision, et que, euh, mais moi j'étais contre ce, euh, pardon, j'étais pour ce système protectionniste français. C'est ce qui nous a permis de subsister en tant qu'industrie, alors que tout le cinéma européen et même, faut dire, mondial, sauf les États-Unis, se sont effondrés. Et euh, bon, j'étais pour, mais j'aurais jamais voulu scier la branche sur laquelle on était assis. Mais je pense qu'il y avait un moment des débordements. Je connais un, comment dire, un mec qui était un ancien critique, qui étant producteur, euh, euh, a gagné une fortune qui lui permet de vivre sur un grand train, qui lui permettra à lui et à sa famille, pendant 50 ans après sa mort, de vivre sur un, un train tranquille, euh, sur des films qui n'ont pas marché. Euh, alors, j'aimerais revenir sur. Euh, vous vous êtes lancé plusieurs défis, euh, en tout cas en tant que cinéaste, et notamment de faire entrer. Euh, de faire un truc très compliqué, euh, de faire entrer les scènes le cinéma érotique à l'intérieur d'un cinéma grand public. Et en même temps, vous constatez, en tout cas dans le livre d'entretien que, que j'ai lu avec Antoine Debec, que vous constatez euh, la disparition progressive du cinéma érotique. Euh, alors que euh, le porno prend de plus en plus de place, ou du moins que euh, voilà le. le Je, porno... ai dit ça moi. Oui, que le, le porno se développe, qu'il est partout, et qu'en même temps euh, cette sorte de, de zone. Euh intermédiaire que serait le cinéma érotique euh, euh, a disparaît complètement et en tout il, cas... est, En ce moment, c'est en train de remonter, à la suite de deux ou trois films, mais c'est vrai, c'est un oui. fait que, si, tu, si vous voulez, le cinéma français étant un cinéma fondamental, je parle pas des gros films euh, comiques, mm. étant pour le reste un, 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 un truc bourgeois, il arrive la plupart du temps, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ce sont des sujets mal vus. Et puis on pense ouais. que euh, de faire ça, ça, comment dire, les gens qui font ça ce, le font pour des raisons euh, commerciales, ce qui est complètement faux. C'est même plutôt l'inverse. C'était vrai ouais. dans les années 50, 60 mais encore on n'avait pas le droit de comment dire, de montrer grand-chose mais maintenant euh, ce serait plutôt euh, ce l'inverse ceci dit euh, moi à propos de ça c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis rendu compte que c'était très difficile à filmer l'air de rien mmh. On va en parler. Justement, il y a la grammaire cinématographique entre le porno et l'érotisme est très différente. C'est-à-dire que vous dites non, pas, porno, moi, moi, moi je ne dis pas ça. Non, je, je, je dis disons, que la plupart des metteurs en scène qui font des visible. films porno sont de mauvais metteurs en scène. Oui, parce qu'en en gros, c'est le, c'est c'est le, dire, la satisfaction qui règne. Du coup, il faut passer. En gros, il faut dans le plan large. À un moment, il faut passer au gros plan. Il faut couper le corps. Il euh, faut, faut hacher le corps, il faut le découper, et c'est ce, ce que vous ne faites pas dans vos films et dans, ce cas dans vos scènes érotiques, c'est-à-dire que vous filmez les corps féminins euh, donc qui, qui sont en train d'avoir un orgasme, au non, même pas, titre qu'un paysage. Oui, pas, 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 donc, pas, pas, il... pas tout de suite quand même. Mais mais au, mais au même titre, titre qu'un qu paysage. Un, ce, ce, ce détail, c'est vrai. Que, euh, voilà. Quelqu'un a bah, fait cette comparaison un jour. Et, euh, Donc il ne faut mais... pas découper le corps, en tout cas. Il y a une sorte de euh, euh, Oui, parce que je... c'est très simple, parce que euh, pour parler tout ce qu'il y a de plus franc, euh, moi, ce qu'il y avait dans les films porno et dans les films non porno, le fait de montrer. Alors ça, c'était les films porno encore que maintenant. Il euh, y a ça aussi, de montrer un sexe féminin en gros plan. Euh, quel est l'intérêt franchement c'est je trouve que ce qui intéresse ce qui est touchant c'est de voir le frémissement et la montée du, 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 du frémissement et du désir dans le corps des gens. Alors j'ai été bien. <laughs> non, je vois ça à votre tête. Vous auriez dû me laisser l'initiative, j'aurais été plus violente. Ne dites plus rien, vous allez voir. Mais en tout cas, dans ce qu'on peut appeler la deuxième partie de votre filmographie, vous allez, euh... Ce sont les mêmes thèmes que j'ai depuis le début. Mais... Vous, la vous laissez tomber un petit peu comme l'école, en, en gardant quand même euh, oui, des rapports euh, de. Je ne vais pas faire éternellement le même film. Non, non, bien sûr. Ou tout Mais au moins. Temps, je ne vais pas éternellement faire un film avec le même scénario. Je n'avais pas envie de refaire de Mourir de Fureur, qui a déjà été. Ou Noce Blanche, euh, c'est pas la peine. Euh, si j'en ai un qui ressemblait un peu mais qui était plus vaste et qui est probablement un de mes films préférés, c'est les « Ça va du bon Dieu mmh. ». Euh, mais je ne vais pas toujours faire la même chose. Par contre, n'oubliez pas que le, ce, quand j'ai un… De toute façon, il y a toujours eu de l'érotisme dans tous mes films, oui, y compris sûr. dans le film « Super depuis... 8 » que j'ai fait, depuis le début. Mmh. Je peux vous dire pourquoi. D'ailleurs, d'abord, entre parenthèses, parce que j'aime bien filmer le corps des femmes, j'aime bien les femmes, pas seulement leur corps d'ailleurs, que je trouve plus intéressant que. Enfin, ça m'intéresse plus que les hommes. Votre ciné... Oui, votre cinéma est très féminin, en tout cas. Pour, euh, pour mieux préciser, mais je vais arriver à quelque chose de plus profond après. Allez-y. Euh, une critique Cana... canadienne m'avait demandé, euh, à propos de Noce Blanche, est-ce que j'aurais pas pu filmer une femme de 50 ans tombée amoureuse, qui tombe amoureuse d'un garçon de 17 ans je dis, oui j'aurais pu mais il y a une chose que j'aurais pas pu faire il y a un moment où dans le film le que j'ai fait euh, comment dire Kremer reçoit le corps de la gamine de 16 ans et demi 17 ans comme un, est une femme pas un enfant comme un cadeau de Noël et donc j'ai été obligé de regarder le corps de la petite paradis pour savoir comment j'allais la filmer comment on allait l'éclairer et j'ai d'ailleurs pas pu faire exactement ce que je voulais et je lui ai dit il aurait fallu que je fasse la même chose et euh, que, je, je, que je filme un mec de 17 ans tout nu pour, euh, comme cadeau de Noël. Moi, j'en moi, moi, ai rien à foutre, des mecs, ils me font rien. Oui, c'est ça. Mais, mais euh, vous auriez dû filmer aussi euh, la femme de 40 ans. Ça, ça m'aurait moins gêné. Ouais. Ouais, mais, mais vous n'aimez dans... pas ça non plus. Peut-être qu'on peut, peut un peu. Non, mais vous ceci dit. Si sur vous ça, c'est que vous, pour vous, une actrice, c'est très vite. Euh, en qui cas, le corps d'une actrice. Euh, a besoin d'être d'avoir moins de 30 ans pour être euh, ciné génique disons pas du tout là je m'apprêtais m'apprêtais pour... à prendre le, un, une fille qui était plus âgée que ça nettement plus âgée que ça pour, euh, pour le tourner mais dans tous les cas vous savez ça pose et des... puisque vous avez lu le, le long entretien euh, que j'avais fait euh, que j'avais donné à... enfin, que j'avais fait avec Devec il y a une fille qui était là, qui a joué dans mes films, qui euh, a réécrit un certain nombre de trucs, elle était présente, et à un moment, il lui posait une question technique, et elle dit Mais on voit que vous n'êtes pas femme, vous vous rendez pas compte. Enfin, le tutoyer, tu ne te rends pas compte de la difficulté. Euh, comment dire Nous, on est là euh, à la place du monsieur, la caméra est ici, et puis on est là en travelling lentement, et en travelling, et. On, on traveling, et euh, Comment dire, euh, à la fin, on doit avoir euh, un orgasme et entre les deux, on, va, on doit avoir nos corps qui frémissent en une minute. Mmh. Euh, et pour faire attention à la position de la caméra, vous croyez que c'est facile Le, Un des gros problèmes, et, et j'avais une autre séquence où il y avait trois filles. J'ai mis neuf heures de répétition sous la forme de trois fois trois heures. Enfin, ce n'était pas un travail acharné. Mais ces trucs doivent être réglés comme un balai, et vous devez de donner l'impression, surtout si vous tournez en, en plan séquence, que, au début, euh, les filles sont, plus moins froides, et qu'à la fin, euh, elles finissent par avoir un orgasme. En mmh. général, ça prend plus de temps que ça. Et euh, Mais il faut simuler pour l'écran, il faut que ça fasse vrai. Et euh, il faut éviter toute une série de positions. Euh, je me rappelle des gens m'ont dit. Il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit oui. Euh, vous faites euh, le, boire les gens avant et les filles, et puis vous les faites manger. Les gens sont des, sont cons comme des balais. Euh, pour une raison simple. Supposons que vous ayez bien mangé vous. Si jamais, euh, là c'est votre ventre. Vous êtes comme ça. Vous allez avoir le ventre tout ballonné. Mmh. Et euh, vous êtes obligé de faire attention à tous ces éléments là. Moi jamais, je ne me permettrais de filmer une fille de façon. Je tiens. Mmh à ce qu'elle soit belle. Et je peux vous oui, dire ça, pourquoi. Voilà. je tiens à ce qu'elle déclenche le désir. Et voilà pourquoi, voilà quelle est la problématique d'ensemble de tous mes films. C'est-à-dire que alors vous, au cinéma, on, les corps ont besoin d'être beaux, pas, pas forcément. Pour moi. D'accord. Et un corps un peu plus potelé, ce qui n'existe pas ah dans le monde. Non, mais enfin. Non, mademoiselle, si, si. Ça pourrait, j'ai vu ça pourrait, des filles. Ouais. Ça, ça n'a rien à voir. Le fait d'être désirable, d'être troublante, ouais. n'a rien à voir. Avec le comment dire le corps des gens. Il y a des filles qui oui, sont sûr. un petit peu rondes, qui Donc sont au cinéma, autrement plus cinéma. érotiques que d'autres. Quand on est là, on les voit passer. Et puis quand on les voit euh, euh, en film, eh ben, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas de, elles sont pas désirables pour De ronds Et c'est très. En tout cas, les corps dans vos films ont l'air très homogènes. Enfin, en tout cas, les corps féminins, ils sont très, ils sont, ils sont jeunes. Il n'y a pas, il a pas de gras. Il n'y a rien qui dépasse. Si vous voulez, mon obsession est l'obsession de, et, et de la souffrance et de la peur de la souffrance. La souffrance est liée à quoi Pour simplifier, elle est liée au fait que vous êtes attaché à quelque chose et que ce quelque chose disparaît, et que vous en êtes privé et que vous souffrez. Ça peut être un mari, une femme, un drapeau, un. La plupart du temps, le pire, c'est pour une femme la mort d'un enfant. Et j'ai utilisé, si vous voulez, pour moi, le sexe comme un symbole de la souffrance. Comme moi, mmh. c'était. Et encore, je ne suis pas content de ce que j'ai réussi à faire. Et euh, au fond, le sexe, on ne s'en est pas. sauf à ne rien montrer. On ne s'en est pas beaucoup occupé dans le cinéma parce que c'était un grand interdit. Et je voulais bien me lancer euh, là-dedans. On en a parlé un jour avec Brea, avec Catherine, mais elle, elle ne cherchait pas à déclencher le plaisir non, ou la jouissance. Euh, moi, j'ai vu un jour euh, son film, je lui ai dit, j'aurais dû être un peu troublé en le voyant, ça m'a laissé froid, elle me dit, mais moi, je ne veux pas. Elle, elle a C'est clinique, quoi, c'est une Il y a quelque chose peux... de ça, ce qui n'est pas mon genre. Moi, ouais. ce qui m'intéresse, n'oubliez pas que le sexe, c'est quand même, et la, la, pour ceux qui l'ont, et le plaisir est une des forces les plus grandes. Il m'est arrivé deux fois dans ma vie, longue. Euh, d'avoir compris ce que c'était chez une femme que de monter au septième ciel. <laughs> je pense que vous avez une capacité de jouissance plus forte que la nôtre et qu'en plus vous êtes très belle quand vous êtes en train de euh, d'avoir un orgasme. Donc là c'est la psychanalyse, l'orgasme Attendez, le je ne suis pas le seul à Bien dire sûr. ça. Euh, Mademoiselle euh, Jane Fonda a dit la même chose quand elle se rappelait le fait que elle était quand elle était mariée à Vadim, Vadim l'obligeait à la regarder en train de baiser avec une autre pour pas faire euh, mariage bourgeois et elle elle, elle a raconté j'étais là elle en a parlé un jour euh, chez Virgin là sur les Champs Élysées. Et elle disait, oui, bah, je me suis rendu compte que l'orgasme, le, 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 le corps d'une femme est particulièrement beau. C'est ce que je pense. Et pour moi, ça devient, si vous voulez, quand, je pense que quand vous êtes attaché au plaisir, c'est un plaisir fort. Je n'ai pas envie de filmer la mort d'un enfant, mais euh, de, de filmer euh, l'enfant le, 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 en tant qu'objet de désir, j'en ai jamais eu. Et moi, je ne prouve aucun désir pour les enfants, j'avais un intérêt intellectuel pour eux, de tendresse aussi, mais euh, ça s'arrête là. Et euh, par contre, j'ai toujours eu un attrait sensuel pour les femmes, et pour moi, elles représentent, le, le plaisir représente, si vous, si vous voulez, le symbole de l'attachement. Et de l'objet on... perdu, quoi. Et absolument. Ouais. Donc là, vous êtes très, 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 très psychanalytique. Est-ce que vous êtes en train de dire que vos scènes érotiques sont mélancoliques Attendez, oh. tous. Bien mademoiselle, sûr. je vous signale que c'est pas seulement, c'est pas ouais. seulement psychanalytique. Non, ça hein. me rappelle ça, ça, ça me rappelle ouais. fraude, C'est juste ça. Après, c'est pas ça. Serait vous, avez, euh, vous avez, vous avez. Euh, Amusez-vous à lire la Bible, à lire le, le Nouveau Testament. Vous prenez euh, le, l'épître euh, euh, aux Romains de Saint Paul. Qu'est-ce qu'il dit Lacan l'a repris. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit euh, avant la loi, il n'y avait pas de péché. La loi, les dix commandements. Euh, les dix commandements, la loi a apporté mmh. le péché et en même temps le désir de le transgresser. C'est ça, voilà. Ouais. Je, je... Et, euh, comment dire, euh, il a même créé un désir spécifique du fait de la loi et que c'est interdit. Alors, on pourrait lui demander comment lui, euh, il pense, euh, et lui, il dit, oui, ben on peut y arriver, on peut surmonter ça par l'amour. C'est un autre problème. Encore que, que ce soit un autre problème, en ce qui me concerne, ce n'est pas aussi évident que ça. En tout cas, donc pour revenir, vous dites que vos scènes, éro... en fait, vos scènes érotiques, <laughs> moi, j'apprends quelque chose, et ça me, ça me passionne, c'est que vos scènes, les scènes érotiques dans vos films sont mélancoliques. Vous, vous posez un regard mélancolique ah bah. sur ces scènes, parce qu'il euh... y a quelque chose de l'ordre de. De, du fantasme qui se. Qui... Il voilà. y a à la fin quelque chose d'une grande tristesse systématiquement. On me l'a reproché, les libertins m'ont reproché ça. Oui, parce que justement voilà. vous avez une vision non. tragique. Regardez Chose secrètes, c'est très triste. Pourquoi c'est triste, Chose secrètes Donc euh, évidemment, je vois. C'est euh, relativement tragique on m'a dit que j'avais fait, des libertins m'ont dit que j'avais fait discrètement un projet, un, comment dire, un portrait tout à fait exact des libertins. C'est-à-dire que euh, vous éprouvez du plaisir au moment où vous transgressez, la, où vous sautez la barrière, la barrière de l'interdit. La seule chose, c'est que ce plaisir, vous voulez l'obtenir à nouveau. Mm. Mais, alors, vous allez sauter à nouveau la barrière, mais la barrière, elle recule. Et elle recule tout le temps, et les mecs, ils sont toujours, et les femmes, sont toujours à la recherche. Mais les femmes, ça, ça, ça se passe de façon un petit peu différente. Oui, donc, la, fin, vous avez une vision tragique de la sexualité, parce que, comme, euh, je pense, comme Lacan, vous pensez que le, le désir n'est jamais satisfait, ou du, disons qu'il se recompose à chaque fois qu'on le satisfait. C'est un peu votre vision. Surtout, euh, c'est surtout... pour ça que vous faites tout le temps des films érotiques. C'est que en fait non il faut... attendez, attendez, je n'ai pas tout le temps non. fait des films. Non, mais érotiques. vos derniers films, non, non, les, mais vous, les vous... trois derniers oui, euh, voilà. avaient des séquences érotiques, non. mais pas seulement. Non, oui, je me suis mal expliqué. Vous croyez que c'est très facile de mettre ça avec des mecs avec des, 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 des discours philosophiques en même temps Non, non, bien sûr. Non, mais ce que je disais, <laughs> c'est que votre euh, le fait que vous vous filmiez sous, euh, tout souvent des corps nus, fait que vous cherchez quelque chose qui n'advient presque jamais. Donc vous êtes obligé de répéter ce geste. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Non, ce que je cherche, c'est quelque... Je voudrais arriver euh, à filmer... Euh, euh d'une façon qui me satisfait. Je ne suis pas toujours totalement satisfait. Oui, Voilà, c'est ça. C'est êtes... pas, euh, c'est pas, j'ai euh, pas, pas la même chose. Et du coup, quand vous allez être satisfait de votre mise voyez, en scène, vous allez arrêter de je faire vais ça P De toute façon, je vais peut-être, je vais être tout simplement arrêté par la mort. Hein. Non, je suis plus euh, tout jeune. <laughs> Mais je vais vous donner un exemple. La première fois où, où comment dire, m'est venu euh, ce éventuellement ce besoin de tourner une euh, séquence. C'était il y a longtemps. Euh, Bouygues m'avait demandé de reprendre un scénario, le scénario de la vie d'une fille qui s'appelle Béatrice Saubin. Euh, le rôle devait d'abord être tenu par Adjani, puis par Emmanuel Béard. Et euh, c'est une fille qui, euh, comment dire, euh, euh, va à l'autre bout du monde en stop, euh, tombe sur le grand amour dans un hôtel elle va sans arrêt pendant une semaine. Et son, petit, son bonhomme lui dit On va se marier, on va se barier euh, aux Pays-Bas. Ah, oh, mais ta, ta valise, elle me plaît pas, je t'en achète une autre. Et on retrouve à la douane, euh, je ne sais plus combien de kilos de drogue dedans. Elle est condamnée à mort et sa condamnation est commuée en, en détention. Elle a passé dix ans en prison. Elle a eu une séquence d'amour elle avait une scène d'amour euh, euh, très violente. Avec une autre fille. Et il fallait que c'était incontournable, il fallait filmer ça. Et je me suis dit, merde, si je le film, comment je vais faire pour filmer ça Et euh, parce que. Euh, alors, euh, je sais que ma femme m'a dit, tu ne vas pas demander à deux filles de baiser devant toi, euh, il y, y a des chances que si. Et elle m'a dit, oui, mais quand, tu, quand on tourne des séquences de meurtre, euh, on ne demande pas aux gens de tuer quelqu'un pour voir comment ça fait. Oui, mais le cinéma a l'expérience de. Toutes ces séquences mm. de guerre, de meurtre, de, de tout ce que vous voulez, pas le sexe, pas du sexe. Et comment vous faites, si vous voulez, en général, quand vous êtes en train de faire l'amour, par exemple, vous n'êtes pas en train de vous regarder vous-même, vous n'êtes vous pas en train... Ceux qui regardent de l'extérieur, ce sont des gens qui sont voyeurs, ou qui ont une, po, une position de voyeurisme. Mm. En, en, ce, en, en ce sens, moi, quelque part, je suis bien obligé de la voir, mais je suis bien obligé de voir comment ça va se passer, et heureusement. Parce que ça pose de multiples problèmes, au point que, je me rappelle, euh, mon agent, à une, certaine, à une certaine époque, avait dit à Ozon devant moi qu'il voulait faire un film érotique. Euh, et, et il lui avait dit tu ne peux pas faire ça euh, pour une raison simple. À chaque fois qu'on tourne un film comme ça, il y a des emmerdements sur le tournage, ce qui est vrai. On a l'impression que vos scènes érotiques sont mises en scène, mises en scène de telle sorte que c'est le regard, votre regard, qui est un regard voyeuriste, mais au même titre que celui d'Hitchcock l'était. Que c'est le, le comment dire la scène ploie sous le regard voyeuriste. Qu'elle est presque mise en scène par le regard, par votre regard. C'est-à-dire qu'il y a l'exhibition qui répond ouais, au voyeurisme. Si, si ce que, vous voyez ce que je veux dire, -dire il, y a, il y a une visibilité si de. Si vous voulez, mademoiselle, il est évident vous tout pour que, que tout soit visible. Regardez, je, je m'en rappelle Truffaut. Là, il m'avait dit à un moment et ses monteurs m'avaient dit pareil que il pouvait plus supporter de filmer des séquences violentes, mmh. alors que Hitchcock lui adorait ça. Mmh. Euh, si vous voulez moi maintenant j'ai beaucoup de mal à filmer euh, les séquences violentes avant je me marrais mais maintenant ça m'amuse plus euh, mais même là euh, c'est pas aussi simple que ça par exemple euh, quand j'ai tourné mes, enfin, mes deux avant derniers films quand il fallait répéter, c'était les filles qui me disaient Viens, il faut répéter, et à m'obliger à prendre du champagne pour m'en mettre en forme. Parce qu'à la fin, j'en avais un petit. C'est pas si facile que ça. En plus, il faut que vous soyez contrairement à ce qu'on pourrait penser. Enfin, vous devez bien penser que si jamais je vois une séquence comme ça, avec une scène dans la vie comme ça, ça peut être troublant pour moi. Il ne faut pas que ça le soit. Et je, dois être, je fais de la mise en scène, je fais du cinéma pour que... Et la séquence doit aboutir à ce qu'elle soit vue par des gens dans une salle. Et euh, ça pose toute une série de problèmes. Et d'ailleurs, je avoue qu'il m'est arrivé souvent de choisir d'abord les filles parce qu'elles acceptaient de tourner ces séquences. Hein. Mmh. Et euh, je m'occupais du reste après. Euh, euh... Mais c'est un fait, si vous voulez. Qu'il euh, y a quand même, euh, il peut y avoir un intérêt, voire une fascination pour ça. Mais moi, je me rappelle avoir tourné deux ou trois séquences. Euh, je pense à deux films en particulier dans la campagne et dans lesquels il n'y a pas de sexe du tout. Il y a presque. Eh ben, je suis ultra touché par ça. Je ne suis pas touché que par ça. Mais par contre, ça rentre dans la problématique générale. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que euh, ce qu'on vous reproche et ce qu'on reproche, c'est quelque chose en fait qui date presque de. Enfin, moi ça me rappelle euh, Kant, c'est-à-dire que on vous reproche de filmer quelque chose qui est qui est à la fois beau mais aussi agréable et on reprochera voilà. Bah, coup, que, 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 quelle est la excusez-moi, c'est pas voyez, complémentaire. -ce que je... Non justement parce que, parce le, que le, le la beauté beau... ça, ça peut être désagréable et là. Non parce que la beauté doit être désintéressée et que vous filmez quelque chose ah, qui bah, vous. Bah, là là alors là je vous avoue que je suis absolument désaccord avec vous. Non, mais après tout je si, je, si je vous, vous provoque, filmez s'il y a quelque chose que vous trouvez beau c'est que vous trouvez une émotion dedans. Oui, mais c'est la mmh. différence entre... Ou la, alors c'est un peu totalement... totalement... Qu'est-ce que ça veut dire désintéressé C'est l'idée qu'aucun plaisir d'ordre sexuel vient se mêler à ça. Mmh. Et, et juste, non, mais je, je suis en train de vous dire, est-ce qu'on ne vous a pas reproché ça De faire une sorte de... Bon. Écoutez, mais moi, je ne sais pas ce que je pense, hein, moi, ce moi, que moi, que moi, je, je... je m'en fiche, ce en ce sens qu'on peut me reprocher ce qu'on veut. Moi, ce que je vois, c'est que les temps changent. Et que euh, quand même, dans le milieu du cinéma, pas seulement... Putain, il y a pas mal de gens qui sont sacrément tordus. Hein. Et euh, c'est quand même malheureux de constater, par exemple, que dans les facs, mmh. dès lors qu'on parle d'émotion, les gens, ils ont la trouille. Pourquoi, vous pensez Alors, eux, je ne sais pas. Mais je me rappelle par rapport à ça, euh, il y a quelques années, euh, au moment du cinquantenaire des gens de positif. Ils m'avaient euh, un moment invité, euh, ils ont fait une petite tournée, je suis allé avec eux. Euh, euh, comment dire, parce qu'ils avaient euh, très apprécié le bruit de fureur, ils m'avaient foutu en couverture, ils m'avaient emmené euh, au-dessus, là, en Belgique. Et j'en ai profité, à cette époque-là, j'ai relu tous les, 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 euh, tous les journaux, euh, cahiers du cinéma, enfin, toutes les revues, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas un seul article sur le maniement de l'émotion. Alors, j'ai interrogé une vingtaine de critiques. Une fille m'a dit... Euh, j'en ai peur et je ne sais pas ce que c'est. Alors je préfère pas en parler. Euh, un autre m'a dit, euh, pareil, c'est un domaine que je ne connais pas. Le, le plus intéressant a été, et le plus honnête, ça été le critique le plus âgé, je ne me rappelle plus son nom, qui m'a dit, je suis perplexe par rapport à ça parce que j'ai assisté au montage d'une séquence d'un film de King Vidor. J'avais trouvé ça sans intérêt, je m'étais emmerdé. Quelques semaines après, je revois la même séquence, elle avait été montée autrement et j'ai été bouleversé. Et je ne sais pas pourquoi. On en revient un peu à ce que ça va faire une boucle au mystère de, du, du grand film, c'est-à-dire du film qui, même si on... Mademoiselle, je, si va, on... je vais aller dans ce sens. J'ai donné des cours pendant des années. Euh, sur, euh, comment dire, le maniement du suspense, essentiellement chez Hitchcock, mais pas seulement chez lui. Et j'allais à fond. Et il y a, hélas, une question que j'aurais bien aimé qu'on me pose et que jamais personne ne m'a posée. On va finir sur cette question. Allez-y. À savoir, j'aurais aimé qu'on me dise, monsieur, dès lors qu'on sait tout, on voit comment tout est fait. Comment se fait-il que bien souvent on ait toujours une émotion On soit toujours intéressé par la séquence. Je termine là-dessus. Ah oui. Voilà ce que, ce que je pense. Je pense que de toute façon, quand vous éprouvez un plaisir, un plaisir quelconque, c'est que ça renvoie à quelque chose de, de profond en vous. Mais, un petit peu, il y a un comme la, la poésie de Baudelaire qui s'appelle La musique. Euh, la, la, sa poésie, euh, c'est... Euh, enfin, Baudelaire décrit l'effet que euh, pro, euh, produit la, la musique sur lui. Et elle dit, euh, en, il utilise une comparaison qui est celle d'un bateau sur l'océan, et il dit que euh, parfois, euh, le, la musique réveille des émotions qui étaient cachées en lui. Et il se comporte, il est là comme un vaisseau, comme un vaisseau qui souffre, mais ouf. ça le berce. Et le mot bercer est mis en scène et mis en relief par la vertification. C'est dans votre film, ça. Les... Que... Je l'ai mis. Je faisais étudier à tous mes élèves. Qu'est-ce que ça veut dire Que les gens, ils sont maso Ou qu'on réveille le, la, la douleur, mais d'une manière qui aide à vivre Les deux versions ne sont pas contradictoires. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, je reprends toujours dans cette même perspective. Quand j'étais enfant, j'étais terrorisé la nuit, je me pompais des terreurs nocturnes très violentes. Et euh, eh ben, je suis allé voir euh, Psychose euh, 50 à 100 fois pour, euh, en payant ma place. Un jour, j'étais en train de revoir au ton le vent dans les années 70, quand il est ressorti. Et dans la, euh, la salle était pleine sur les Champs-Élysées. Et dans la grande séquence où euh, on voit Mélanie et, euh, et la Noire... Euh, et aider Red Butler qui est sur le cadavre de sa fille. Je me retourne. La salle était en pleurs. Or, en général, si vous pleurez, c'est que vous souffrez. Et bien là, vous payez pour souffrir, mais d'une manière qui vous réconforte. Et ce que je pense, c'est que la grosse différence, vous retrouvez des choses profondes en vous. Mais attention, d'abord, un, c'est fait pour que vous le maîtrisiez. Par exemple, dans un film qui s'appelle euh, euh, Angel, avec euh, Lubitsch, avec euh, yes. Marlène, il y a un moment où on y voit une fille qui s'emmerde et euh, euh, elle a un mari qui est homme politique qui voyage tout le temps et puis elle va être courtisée par un mec, et elle va se retrouver dans une maison de passe. Et comme tout le monde est gentil, et en particulier le, 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 le mari, ça peut déclencher immédiatement la souffrance chez des gens qui, euh, je dirais, merde, ma mère, ma femme, elle va, se, elle, elle, elle se fait chier, elle va aller baiser avec un autre. Or, Lubitsch se démerde très habilement pour naviguer et pour éviter de rentrer en plein dans la souffrance. Il y a un travail technique. Deux. Après tout, quand vous voyez un truc qui va renvoyer à votre souffrance. D'abord, un, vous savez que ça va durer une heure et demie, deux heures moins le quart, trois heures maximum. Alors que quand vous êtes en train de souffrir, dans la souffrance amoureuse par exemple, vous ne savez pas quand -ce que ça va s'arrêter, mmh. parce que vous ne maîtrisez pas le temps. Trois, si au cinéma, malgré tout, ça, comment dire, les. les vous pétez, Enfin, les. Il euh, y a quelque chose qui lâche. Vous pouvez toujours vous lever et partir, hein, mmh. Pardon, la vie. Ça fait une grosse différence. Et qu'en même temps, je répète, euh, au cinéma ou dans la musique, disons dans les arts en général, tout cela est construit euh, avec des mots, des phrases, des images qui sont en général des acteurs qui sont euh, intéressants ou beaux à voir. Euh, ça fait une grosse différence par rapport à la vie. <laughs> Oui, c'est ça. Mais bon, c'est ce que ça répond... Bon, c'est des éléments de réponse. Mais, mais, mais ce ne sont que des éléments de réponse, il reste. Pour moi, ça, ça reste un grand, euh, malgré tout, un grand mystère, mais je pense que la vie a quelque chose de totalement euh, mystérieux. Hein. L'amour vrai, profond, au-delà de l'aspect psychanalytique, garde l'amour au sens, euh, par exemple, au sens chrétien, qui euh, garde un sens très fort mmh. euh, et relativement mystérieux, parce que pour lui... Euh, euh, amour, euh, foi et euh, euh, amour de Dieu, ce sont des mots quasiment équivalents. Ce sont des synonymes. Ben, quand vous avez dit ça, ça veut dire quoi concrètement C'est pas aussi évident que ça. Euh, on est toujours devant une certaine forme d'incertitude. De, de, Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, dans tous les films, j'ai essayé de, à un moment de mettre des éléments ou de faire deviner des éléments qui sont parallèles à nous, qui sont invisibles. Euh, ou, comme on dit, où on peut tomber sur des éléments, on ne sait pas trop ce que c'est. À cause de ça, parce que je pense qu'on est comme ça dans la vie. Mmh. Ça. Bah, merci beaucoup. Ah ouais. Quoi ouais, t'as fait ça Toi.